1128 candidats se présentent au baccalauréat général cette année, soit plus 27 par rapport à l'année dernière. Ils sont 699 à vouloir décrocher un baccalauréat professionnel, soit 5 candidats de plus. Et parmi ces prétendants au bac général, le plus âgé a 37 ans et le plus jeune 16. Certains examens de compréhension et d'expression orale en langue se sont déjà déroulés en mars et avril dernier. La traditionnelle première épreuve écrite, celle de la philosophie, a lieu le 16 juin. Pour les baccalauréats technologiques, les soutenances en lien avec la spécialité de chaque série débutent le lundi 1er juin. Comme pour le baccalauréat général, l'épreuve de philosophie marque véritablement le début de la session d'examen. Cette série d'examens 2015 s'achève le 1er juillet avec les épreuves orales anticipées de français pour les classes de première générale et technologique. Et n'oublions pas aussi les candidats au brevet des collèges, au nombre de 4532, parmi lesquels 100 candidats libres. Ils passent leur examen du mardi 24 juin au vendredi 26 juin.